Gbagbo à Mama, affine Guessant dans le Moronou, ce week-end. Samedi 28 août, Laurent Gbagbo recevait dans son village, Mama, la communauté Oué, originaire de l'ouest ivoirien. Ce jour tant attendu, selon l'ancien chef d'État ivoirien, était d'autant plus solennel, que les têtes couronnées du Guémon et du Cavali, peuple martyr, ont massivement fait le déplacement, pour communier avec l'ancien détenu du pénitencier, de Srebrenica. Ces échanges, se sont déroulés dans la ferveur, et la convivialité. Une véritable symbiose, entre un leader et son peuple. Autre région, autre décor. Pascal Affine Guessant était également dans le Moronou, sa région natale, pour clore une tournée d'explications à la suite de sa rupture consommée d'avec son ancien mentor, et surtout remobiliser les militants et sympathisants du Front Populaire Ivoirien, FPI, parti dont il est désormais le seul leader. Lors du comité central extraordinaire de son camp, le fondateur du FPI a annoncé à ses partisans, « Laissons Affine avec l'enveloppe qu'il détient. Nous allons changer de nom, c'est tout. Et ce, pour créer un nouveau parti avec les mêmes idéologies de gauche. L'équipe technique est d'ailleurs à pied d'œuvre pour préparer le congrès constitutif de ce parti. Mais le président légal du parti, avait déclaré pour sa part, que l'enveloppe dont il a hérité, est loin d'être vide. Le député de Bongouanou s'active d'ailleurs, à organiser un congrès de son parti, en novembre prochain. Il entend pour se faire envoyer 74 délégations à travers la Côte d'Ivoire, pour tenter d'empêcher, une hémorragie de cadres, et militants vers le camp d'en face, ironise RFI. Dans cette lutte de positionnement, Laurent Gbagbo, et Pascal Affine Guessant, se livrent une véritable bataille, pour ratisser large, chacun pour le compte de son propre parti.